plusieurs joueurs que les gagnants de championnat. Oui. Il y a les joueurs de Salé, de Liban, aussi le Nesfa. On a fait appel à Idrissi. Oui. Aussi, parce qu'il y a certains joueurs qui sont blessés. Oui. Donc, il y a 17 joueurs. Jusqu'à maintenant, les joueurs de l'étranger ne sont pas encore arrivés. Oui. De la France et l'Italie. Oui. Les joueurs de Salé qui n'ont pas eu l'autorisation de travail Kondo ou de Peria. Oui. Déjà, il est blessé. Donc, déjà, il n'a pas encore donné de vrai décide parce que. Donc, on est avec 9 joueurs. Mais je pense ce soir qu'on va avoir tout le monde, presque tout le monde, de l'équipe nationale. Oui. Et ceux qui n'ont pas donné réponse de l'équipe nationale seront sanctionnés. Donc, à dire dans. Et on va, Inch'Allah, on a fait une séance hier, on a fait une séance ce matin, on va faire une autre séance le soir. Donc on va partir avec des séances par jour. Oui. Et on va travailler, Inch'Allah, pour Inch'Allah, les phases éliminatoires de la Côte. Mais si on a des matchs difficiles, oui. On va faire avec Inch'Allah, on va travailler pour avoir notre place. La province de Congo. On a le premier match Tunisie, on a le deuxième match l'Algérie, le troisième match la Libye. Oui. Le 16, 17, 18. On a le 23 Algérie, le 24 la Tunisie et le 25 la Libye en Tunisie. Inch'Allah, pas de choix. Vous venez de parler de joueurs qui n'ont pas répondu à la convocation. Franchement, Kinshasa, on a des noms, c'est le beau idée. Après, on va signer les noms pour les joueurs que on était un peu en retard par rapport à la convocation. Oui. Il y a certains joueurs qui n'ont pas encore reçu par rapport à leur club. Oui, oui. Donc, on va laisser ce soir. Après, on va signer les noms.